Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce 169e épisode de Let's Play sur Immortals Phoenix Rising. Nous sommes avec avec You. Non. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais soit. Alors je vais d'abord me soigner en mangeant des pêches. Voilà. Et on a un boss à refaire parce qu'on l'a loupé la dernière fois. Voilà. Allez, on est parti. Esquive, lui pas content. Allez, il a pas voulu. Je dois faire attention à mes combos, hein, c'est ça le problème. Allez, c'est parti. Voilà. Chut. Potion. Hop. Auto. Ok, lui pas content. Et quand lui pas content, lui toujours faire ça. Yep. Allez, dégage. Être dans ses pieds, c'est jamais le bon plan, hein. Donc là. Bien ça les esquive, hein. Hop, allez, on va y arriver, faut juste rester calme. Ok. Voilà. Je prends. Hop, ok. Il est énervé. Je peux comprendre. Aïe. Ah.
de potion. Allez. Allez. Voilà, très bien. Ah, cette chose puait deux fois plus qu'elle était moche. Je suis désolé, vous savez. J'ai cru que... Déesse ? L'immense pouvoir céleste des dragons est comme un éclair pour le chaos, en particulier dans ce genre d'endroit. T'en rends-tu compte, maintenant ? Je... Oui. Sous leur forme actuelle, ces dragons ne peuvent être qu'une source de problèmes. Mais vous deux, vous n'avez rien à craindre. Je ne vous ferai plus de mal. Noah ? Ça fait plaisir de te revoir, Hong. Toi aussi, ma chère Ni. Déesse, c'est vraiment toi. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour protéger l'humanité. Le chaos a transformé nos chers Ni et Hong en quelque chose de... méconnaissable. Rempli de haine. Alors, j'ai réagi en conséquence. Cette épée géante... c'était toi. Tu les as tués pour nous protéger. Oui. Ils ont perdu leur forme physique. Mais on peut les faire renaître. Je n'y ai pas cru au début. Mais tu as raison. Le céleste est tombé. Mais le ciel... est toujours là. Déesse, à moi de te poser une question. Tu es sûre de vouloir faire ça? Il y aura peut-être un arc-en-ciel. Ou il y aura peut-être des dragons rancuniers pour nous déchiqueter. Jusqu'à en mourir. Quoi? Je plaisantais. J'ai le sens de l'humour, moi aussi. Allez en paix, mes amis. Coup. Tu t'es bien débrouillé. Nous avons un arc-en-ciel, comme tu l'avais dit. Et Hong et Ni ont retrouvé leur forme véritable. Donc j'ai été bon. 7 sur 10. Certains de tes choix ont été avisés, d'autres un peu moins. Tu t'en es bien sorti, oui. Mais tu as surtout eu de la chance. J'ai fait ce qui m'a paru être bon. Et tu dois te battre pour ce en quoi tu crois. Nous avons tous notre rôle à jouer. Et c'est ta foi en toi-même et en les autres qui te permettra de venir à bout de ta mission.
J'ai comme l'impression que tu vas dire mais. Mais, la prochaine fois, je veux que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses au sens de tes actions. Moins de spontanéité et une meilleure compréhension de la situation. Déesse, merci d'avoir cru en moi, en tous les humains. Nous ne te laisserons pas tomber. Je sais bien que non, Ko. À moins que tu aies envie que je te crie encore dessus, je peux toujours le faire. Je te retrouverai à la forge. Ok. Terminé, les dragons célestes. Oui, je suis à l'arbre. Hein. Si le seigneur Fushi avait déjà épousé la déesse Nua, pourquoi a-t-elle créé autant d'humains toute seule? Ah, peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir. Alors, voyons. Allez. Il me faut 3 autres orbes. Ah. D'accord. Ok, oui, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est le 2. Là, c'est le 3. Donc ça fait 1 en face, 2. Ensuite, 3. Et enfin, 4. Il va me manquer encore 2. Par ici, on a une. Ah oui, merde. Ok. J'ai compris. Non, je vais d'abord le mettre dans le... Voilà. Hop. Troisième. Bon, j'ai déjà fait avec ces deux-là, hein. Ah.
pied. Bon bah là je peux prendre le cube en fait. Je suis con. J'aurais pu faire ça depuis. Voilà. Ok. Hop, dans le bon trou. Non ? Allez ! Ah, la physique de jeu, un tout petit peu pété hein, pour les boules. Ouais, c'est même pas le bon trou. Ok. Tiens, il y a un parchemin. Donc j'ai fait de ce côté là, on va aller voir de l'autre côté. Ok, donc il y a un cube. Ah, je dois ramener une autre boule. Alors voyons. T'es sérieux? Allez. Voilà. Hop. Voyons. Ah bah non, en fait, fallait pas d'autre boule. Enfin, je pense pas. Alors je n'ai pas compris. Je voudrais changer. Non, je veux pas prendre la boule, moi je. Si je fais ça ici.
Alors... Comme ça. Alors voyons, si je fais ça, allez, voilà, comme ça, et là, hop, comme ça, elle est bien. Comment je vais pouvoir faire ça? Comme ça, voilà. Simplement. Hop, donc là c'est bien, on a débloqué la boule. Je m'en fous de celle-là. Le truc qui est chiant, c'est que ça vise pas le truc que regarde la caméra, mais vraiment ce que regarde le personnage. Et parfois, quand il y a plusieurs objets, c'est chiant. Voilà. Hop. Ça a touché. Très bien. Pièce de jade, très très bien. Ce trigramme de Goua représente la paix à l'intérieur et à l'extérieur. Je me demande quand on retrouvera une époque plus paisible. Ah. Ouais, bon, on va le faire. Ah, très difficile. Bon, on va se dépêcher. Ça fait du nuage. Ça fait du nuage, ok. Yep. Ah d'accord. Heureusement, je m'enfonce pas dans le nuage.
très bien. Aide-leur. Non mais, t'es sérieux? Je rate le saut parce que j'ai pas d'énergie. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... C'est se moquer du monde, je trouve. Ok, j'y suis arrivé. Et voilà. D'accord. Ces idiots célestes, sur leur nuage, ils regardaient avec condescendance ceux qui vivaient en bas. Je trouve merveilleux qu'il n'y ait plus qu'un humain pour occuper ces trônes. Forcément, je vois rien. Parce que la caméra ne tourne pas assez vite. Bon, et je peux pas balancer la caisse comme ça, puisque si une en bois, elle va claquer avant d'arriver. Donc, yes. Et je pouvais pas faire ma statue parce que c'était pas, enfin quoi que si j'aurais pu. Oh. Bon, j'arrête de bouger la tête parce que ça va m'énerver ce tuning à la fin. Alors, voyons. Ok. Comme ça, voilà. Ok. Voilà, très bien. Ok, il arrive là. Parfait. La vie.
Alors, sur le côté, il y a le coffre. D'accord. Raté. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Ouais, je suis bon pour le recommencer, ce... Non, mais sérieux. Allez, on y retourne. Failli toucher le bord quand même. Voilà. Très bien. Non, il a touché le bord. J'aime pas. Mais oui, allez, ça touche le bord. Ah, en plus, la perspective, elle est pas super. Donc, pour savoir s'il va toucher le bord ou pas, c'est chiant. Le principe de base, il est sympa, hein, mais. L'exécution, je trouve ça un peu lourdeau. Surtout que je l'ai fait du premier coup, il n'y avait pas de point de sauvegarde juste après. Heureusement, il cogne pas contre le mur. Ok, allez. Quoi? Ah. On est déjà à 35 minutes. Ouais, ben... Je remonte jusque là-haut. J'essaie de trouver un point de sauvegarde et... Et on continuera dans le prochain épisode. Il est là en plus le point de sauvegarde, c'est juste que j'ai pas été assez loin. Ok, bon. Voilà, on s'arrête là pour cet épisode, on continue dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien. Bye.